Ozias Dominique. Vous commencez. Moi sorti petite rivière de la Tibonite. Moi venu dans diocèse de Pla. Et moi redonné aussi dans diocèse de Pla dans l'année 2016. Son jeune père. Et moi arrivé dans la paroisse là en 2017. Parce que dans 2016, la mi-couette, il y a un cyclone, Mathieu. Et puis, il y a un père là-dedans. Et puis, il y a une difficulté de vivre avec la situation qui était passée. Et puis, il devait me déplacer. Et puis, moi, je me suis baradé. Et puis, ensuite, mon Seigneur a dit que je venais ici. Je suis venu ici. Et puis, moi arrivé, moi ouais, toute bagarre aller, toiture l'église aller, toiture presbytère aller, toiture l'école aller. Bon, faire tout ça possible pour moi réaménager l'église là. Mais actuellement, je suis capable de dire, mais comment présence moi ici là, ils ont ça après les monseigneur vient fêter fête Sainte-Élisabeth le 17 novembre. Et puis il juge bon, il installe comme curé paroisse Sainte-Élisabeth. Tawa Sainte-Élisabeth gen, capable zo, il gen 6 chapelles là-dedans. Et paroisse là lui-même, il était fondé par Permiso dans l'année 1994. Dans 6 chapelles que nous gagnons yo. Nous gagnons Pays Perdu qui s'est fêté le 13 juin qui s'est Antoine de Padoue qui est situé dans la 4e section dans la Fontotia. On a niveau 3e parce qu'il est battu sous des territoires. Et ensuite, nous avons gagné une zone qui est le Cassavant qui coule avec Pestel, qui fait le 16 juillet, qui c'est Mont-Carmel. Et tout près de Mont-Carmel, nous avons l'autre chapelle qui fait presque toujours dans la veille, nous fait le qui c'est Saint-Henri, mais après, nous fait le 14 juillet. 14-15 juillet, nous avons fait le comme d'habitude parce que nous avons déjà éloigné. Nous avons toujours fait un genre, nous fêtons un samedi et puis même samedi on traversé dans l'autre zone pour continuer et on l'a fait pour Carmel. Et puis nous avons l'autre chapelle qui est le Goulot, nous fêtons Sainte Bernadette le 19 février, qui est dans la zone toujours dans les hauteurs. Et puis ensuite nous avons l'autre chapelle qui est Mont-Guillot. Et tout près nous ici, pas tellement trop loin, mais nous avons fêté lui-même Sainte-Cécile. Sainte-Cécile. Nous fêté Sainte-Cécile lui-même 22 novembre. Et ensuite, nous avons Sainte-Rose de Lima. Nous avons toujours fêté presque dans la zone, dernier dimanche dans le mois d'août. Surtout, nous avons toujours le dernier dimanche mois d'août. Nous avons toujours fait ça. Et ensuite, nous avons une chapelle. Tout près de nous encore, qui c'est Sainte-Claire, nous avons toujours fêté les mêmes 12, bien 13, ça va dépendre de qui dimanche est tombé, parce qu'ils ont une antigène très éloignée. Et puis, je suis capable de jouer. C'est comme ça que nous trouvons dans la communauté, nous avons une école presbytérale dans la paroisse. Combien de monde? Qui vient environ 150 personnes, je suis capable de jouer. Qui est classe, qui est classe? Pour kindergarten là, ouais. Et puis donc l'école presbytérale là lui-même qui gagne environ 400 élèves. 400 élèves environ. Jusqu'à Bois River. Comment? Qui jusqu'à 6e année. 6e année. 6e année fondamentale. Et ensuite on a connaissé bien comme un professeur pour moi gagne capable dire moi gagne 9 professeurs et puis un directeur pédagogique. Et qui sont allés de chapelle en chapelle? De chapelle en chapelle, pour m'aller transporter, c'est vraiment difficile. C'est toujours, c'est soit marcher à pied ou bien prendre milette. Moi, j'ai milette pour aller là, parce que pas de possibilité pour nous aller ni en moto ni à marcher. C'est toujours comme ça. C'est milette ou bien prendre des bio, moutémoine. C'est zone pas d'accès. Zone pas d'accès. C'est zone où Dieu se prend capable de dire c'est route cabrit. Je suis un cabrit, c'est un cabrit qui vous montre là. Mais, aujourd'hui, mon cap vivre dans la communauté, ça y est. Et la vie est vraiment difficile pour eux. Mais nous toujours visiter eux. Qui je réponds à la pastorale? Ça fait pour eux. Bon, pastorale, là, je suis capable de dire
façon que les choses vont vivre dans ces gens difficiles, nous avons essayé de faire avec les moyens du bord, nous avons toujours demandé à nous faut que nous ayons participation par eux. Depuis qu'ils ont contribué, ils même, par rapport avec ça, ils ont contribué ensemble avec nous, nous avons mis les mains dans le travail par eux. Donc, l'idée de construire une zone, nous toujours, c'est ça presque, toujours, toujours orienté. C'est nous-mêmes qui pouvons rendre une zone non évoluer parce que les gens regardent, s'ils dévient dans la situation que nous avons là, surtout les gens malades, moyen de transport, les difficiles, c'est sous grand cas pour transporter. Je me dis, même c'est pour mettre les mains. Je me sens longtemps, les gens petits, ils ont toujours une série d'activités. Je me dis, c'est cash fort avec nous. Les gens prennent une initiative, travaillent dans la route. Mais qu'on n'y a pas fait ça du tout. Tout le monde est campé, gardé, tout le monde veut aller à la ville, mais pourtant, il y a un peu de monde qui vit dans le campagne, dans la zone reculée, mais qui était vraiment difficile. Mais c'est mon qui pour essayer de faire effort pour mettre mes ensemble, mais il faut toujours garder sous le gouvernement, il faut toujours garder sous l'État, sous le responsable de la zone. Même dire, si c'est l'État qui peut nous faire quelque chose pour nous, eh bien, nous avons déjà mouru côté nous. Mais c'est nous qui faisons tout le moyen possible pour nous sortir. Les nous mettons tête nous ensemble, nous faisons unité, nous faisons solidarité pour nous développer la caille. Et bien, dans ce sens, nous jouons le moyen pour nous sortir. Mais si nous gardons ce monde, rien n'est pas pour réaliser. Donc, vous faites, vous travaillez avec jeunes, vous travaillez avec grand monde. Qui... Je travaille avec moi capable de dire, moi j'ai environ. Non, sans pas, je suis capable de dire, moi j'ai environ 500. 500 fidèles. 500 fidèles environ. Mais pour la communauté, je ne parle pas de la communauté, de la chapelle, mais c'est pour au niveau 100 paroisses. Au niveau 100 paroisses. Et pour les jeunes, ça en fait pour les jeunes. Bon. On est sur une paroisse qui est vraiment difficile, nous sommes capables de faire des jeunes, nous sommes capables de supporter, nous sommes capables de faire des tout, nous voulons dans l'université. Et paroisses-là, nous-mêmes, nous avons responsabilité, nous voulons aller à l'université, parce que quelquefois, nous sommes passés quelque côté. Nous voyons comment ça difficile pour les parents côté nous voyons si mon enfant il a un problème ensemble avec les parents le fait qu'il pas voulu l'école le fait faire classe filo il pas voulu pièce d'autre côté que au même qu'on dit que parents au plein terre il plein bœuf il pas choisi faire rien pour lui quitter là terre bon donc on garde pour éviter discussion problème difficulté ça non ouais qui gagne donc on est obligé de dire de toute façon m'a garder moi comment capable de mais je ne suis pas capable de faire tout, mais je fais une portion capable de payer l'université. Mais même si parfois l'aime bien manger, parce que nous ne pouvons recevoir à manger par Food for Depot, je dois dire que je suis capable de faire quoi, je suis capable de faire du riz, si je suis maïs, si je suis petit, je suis capable de faire, mais je ne suis pas capable de faire tout le bagage, parce que nous ne pouvons pas recevoir l'huile. Nous ne pouvons pas recevoir tout le bagage, ça nous recevoir non. Et pour les grands monde, est-ce que vous avez grand monde par rapport à jeunes, plus grand monde? Bon, par ce moyen, je suis capable de dire que je suis jeune. Il y a plus de jeunes que de grands monde. Il y a plus de jeunes que de grands monde. Mais nous avons une quantité de grands monde, mais plus de jeunes, nous avons plus de petits monde. Vous avez un choral? Il y a un choral, nous avons plusieurs chorales. Nous avons un choral légal, nous avons Sainte-Elisabeth, nous avons cette famille, toutes ces chorales pour nous. Nous avons une force missionnaire, toutes ces chorales, et puis ensuite, nous avons une autre chorale qui est de Jésus. Nous avons environ 5 chorales dans la paroisse. Donc, qu'est-ce que tu as dit que un défi pour la paroisse à part de transportation? Bon, ça crée des défis pour la paroisse. Il y a des choses vraiment, nous-mêmes, nous avons une perspective, nous sommes capables de faire, mais avec la situation que nous placer. Tout ça pour joindre, tout ça pour recevoir, tout. Il a toujours demandé en pile l'argent et puis nous-mêmes, nous n'avons pas de machine. Même les gens souvent froid, moi quand besoin de sortir ensemble avec eux. Quelquefois, ils ont dit, ils ont demandé 500 gouttes, moi, pour aller négocier avec quelques chauffeurs pour mener une mission. Ou pas jouer ça. Quelquefois, on m'estime parce que les gens ont besoin des activités, tout besoin de sortir tout pour aller à la prière. Quelquefois, ils ont besoin d'aller dans le pèlerinage. Mais vu le fait que nous n'avons pas gagné machine. Et bien tout ça vient trouver mon nom dans un pétrin, il n'y a pas qu'à évoluer, il est obligé d'être là. Et dernièrement, là, dimanche, je fais une réunion ensemble avec Timon en face missionnaire, et puis je parle de ça ensemble avec lui. Je demande pour nous mener dans la plage. Je dis, mais non, nous trop petit, je ne vais pas prendre un engagement pour me déplacer ensemble avec nous pour aller dans la plage. Parce qu'il faut que nous nous sommes là. Et nous regardons vraiment un moment vraiment difficile pour nous.
Et toute exigence là, je suis capable de dire c'est moi qui prends responsabilité parce que je ne peux pas vraiment aller. C'est eux qui prennent toute initiative, tout ce qu'on décide pour faire ensemble avec eux, c'est PEA qui peut décider. Même si dans le gagnant un programme, là, vous voulez voir, si PEA n'a pas contribué, il n'y a pas besoin de jeunes qui peuvent aller. Il n'y a pas besoin de jeunes qui peuvent aller. Il n'y a pas besoin de jeunes qui peuvent aller. C'est PEA qui peut aller, moyen. Mais, si c'est demandé comme ça, aucun va joindre nous. Et puis il a venu poser des problèmes ensemble avec Père. Et puis Père lui-même est capable de juger bon. Il faut que les bayou, quelques bagailles au moins. Donc c'est toujours comme ça. Une question? Ok, Nabdou, merci en pile pour temps ça reprend avec nous, pour parler nous de Pawasoa. Et de l'école là, est-ce que n'a pas ouais l'école là de ici là étant? Oui, ou sinon c'est pour un voyage en pile. Tout petit, non pas tout, tout petit. Yeah. Oh, ok. Yeah. Non, nous qu'à visiter, lui faire photo. Pas de problème. Ok, merci. D'accord, moi je vous remercie aussi, tout merci, d'accord. Ok.